London Bridge, the first one. The good one. The time corridor has closed. Better look for another way out of here. Over there, another time corridor. We need to get over the drawbridge to reach it. Then we need to find a way to lower it first. Alors, je suis à Londres en 1500 quelque chose. 1561, il me semble. Bon, là, j'ai tout de près. Hein. C'est vraiment des parties de jeu que je n'ai jamais faites. Mais bon, c'est pas grave. J'ai tout avec moi pour me protéger. J'ai les 3 saisons de Doctor Who en français. J'ai la saison 4 avec les épisodes spéciaux que j'ai commandés d'Angleterre. Donc avec plein de bonus. Je vous les conseille plutôt que les versions françaises. J'ai un épisode spécial version française. Yeah. The Runaway Bride. J'ai la saison 5 à l'édition limitée. En version métal. J'ai la saison 5, mais en Blu-ray, parce que moi je veux voir Amy, mais en HD. Et voilà. Après, bien sûr, j'ai mon mec TARDIS et mes tournevis que vous connaissez maintenant. Donc là, on est parti pour plus d'aventures. Ah, c'est une porte en bois, mais apparemment, je peux l'ouvrir. Parce que quelqu'un fait justement remarquer que le tournevis n'était pas censé être utilisé sur les objets en bois. Mais si la serrure est en métal, ça marche. Par contre, là, j'ai l'impression que c'est une porte en bois-bois. Et ça marche quand même. Hop là. Donc là, je me suis abstenu de jouer, justement pour que l'expérience soit au maximum. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer là, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et je suis content de voir des niveaux un peu extérieurs, ça change des égouts quand même. Les contrôles pour le gatehouse sont sur l'autre côté des water wheels. Ah, c'est River qui va tenir ça, il va falloir que je passe par-dessus j'imagine. Hey! À toi, River! Quand tu veux, River. The ships are probably trying to get out of this storm. Elle s'en fout, elle s'est régénérée, même si techniquement elle peut plus se régénérer. Puisqu'elle a utilisé toutes ses régénérations pour sauver le docteur, alors que c'est elle qui voulait le tuer au départ. Et oui, il faut que vous regardiez la série, vous comprendriez ce que je dis là. J'ai réussi à ouvrir une porte. Vas-y, River! Je pense qu'elle a réussi. Tu. M'en fous, je passe sans toi! Oh, kegs! Look, I once hid in a keg and floated out of un journal. No, that was a friend of mine. Pardon. Excusez-moi. Apparemment, River a réussi à se téléporter derrière moi. Donc là, je sais pas trop ce que je dois faire. En fait, quel est le but de la mission? Je sais que je dois trouver l'origine de l'horloge temporelle qu'on a retrouvée qui crée des problèmes dans le temps. À manger. Hop, un petit journal encore une fois. Allez! Ouvert. Ah, il faut pas que je sois découvert par la garde. Expliquez-moi donc pourquoi, qu'est-ce qu'il a contre moi ce monsieur? Petit passage de furtivité, chose dans laquelle je suis pas très fort. Je suis fort en quoi après tout? Pas grand chose. Pour l'instant, tout va bien. Hop, ça c'est bon, c'est passé. Oh, une séquence Prince of Persia. Bon, visiblement, il faut que j'arrive en haut de la tour. On va voir ça. A simple pulley system. If one of us stands on the platform, the other can reach it up. Clever Elizabethans. Counterweight system. It'll need both of us to stand on the plates and open the door. Or something as heavy as us. But then we can't get through. It'll close again the second we move. Merci. Donc à mon avis, il faut que je trouve une caisse ou quelque chose dans le style. Ah, je peux pas l'attraper de ce côté, visiblement.
Est-ce que je peux la faire tomber? Oui. Allez River, veille mourir, reste là. Voilà, là c'est le vieux piège de l'ascenseur où j'ai failli me faire avoir encore une fois. Mon dieu, mais quel athlète ce docteur. Bon, ça, ils ont un peu pris des libertés quand même. Hein. Ah, ça y est, là, le levier. Hop là. Merci River, vieille truie. Hop là. Pousser là. J'imagine que ça sert à quelque chose en bas. Oui. Qu'est-ce que tu fais, River? Voilà, j'ai réussi à ouvrir, mais je vais aller visiter en gros un peu quand même parce que il y avait une autre échelle, j'imagine qu'il y avait quelque chose à faire. Ah mais là du coup je peux plus y monter. Si 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 si. C'est pas grave. Est-ce que je vais aller voir quand même? Bon. Voilà, tout ça pour ça, super. Il va y avoir un truc à trouver un peu plus haut, on va aller voir ça. Déjà j'ai réussi à débloquer la porte, c'est pas mal. River. J'imagine qu'elle est en train d'y aller. Ouais, elle est là. Super. Bon, pour une fois, l'AI du partenaire est pas trop mauvaise, elle réagit plus ou moins bien à ce que je veux faire. Des fois elle réagit mieux que moi d'ailleurs. Et c'est une bonne indication pour savoir si vous avez quelque chose à faire dans le plan ou pas. Donc là je sais qu'il faut que je continue. Allez à toi River. Ah bah oui, elle est déjà là. Super bien programmée l'IA quoi. Pas l'AI, c'est en anglais. Là par contre, je suis bloqué. Non. Donc là on doit faire quoi à deux? We can use these winches to lower the drawbridge. Faire descendre le pont-levis. Ah. À moins qu'il fallait que je monte sur cette petite plateforme. Ouais. Ça y est, je deviens bon, les enfants. Ah, bah, elle est déjà là. Elle. Here, boost me up. Ah. Allez, vas-y. Eh ben dis donc, t'as grossi. Moi aussi d'ailleurs. Ah. Il y a un truc à faire par là. Apparemment, elle s'en fout, alors elle a déjà fait monter la plateforme. Allez, viens là, River. Le docteur peut faire descendre les plateformes par la pensée. Hop là. Oui. Oh. Alors je sais pas du tout ce que donnent les récompenses là. Hein. Si quelqu'un pouvait m'éclairer là-dessus, je sais qu'après vous avez un menu où vous pouvez voir tout ce que vous avez rapporté. River s'est fait repérer comme une grosse truc à l'air. Moi ça va. Bon, j'aurais pu faire plus simple, j'aurais pu monter sur la plateforme et faire mon boulot. J'ai décidé de faire la voie compliquée. Oui, mais je pense que River va me rejoindre assez vite. Hein. The time corridors. How do we reach them? We're going to need to go through separately. Ah, il y a deux TARDIS maintenant. A mon avis, c'est des petits bugs graphiques, mais bon, ça ne marche pas plus que ça. Ah, il faut que j'arrive à faire monter. Alors, ce qui est bien, c'est que le tournevis sert aussi d'indication sur ce qu'il faut faire. Ah, ben, je vais t'y envoyer.
Je tiens encore à remercier la personne qui a fait les sous-titres en français pour le jeu avec les voix originales. Super boulot. Il a posté sur une des vidéos, je me souviens plus laquelle, c'était sûrement la 3 où je parlais justement des sous-titres. Et il a fait un truc vraiment extra quoi. Ah, faut que j'arrive à monter à mon tour. Alors qu'est-ce que je dois faire à mon tour? Alors là, cette plateforme ne veut pas monter. Celle-ci, je pense que j'arriverai pas à l'atteindre. Non. On va explorer toutes les possibilités. Couloir temporel qui mène au TARDIS. Donc là, je n'ai plus rien à faire, il me semble. Si c'est pas du tout où je dois aller. Mais on va y aller. Hop là. Oh ! Alors là, je suis un petit peu coincé. À combien j'en suis ? Est-ce que 12 minutes ? Eh bien, on va arrêter l'épisode pour l'instant. Je n'arrive plus à parler français, d'ailleurs. Et on se retrouve pour la suite de savoir est-ce que je vais réussir à retrouver mon TARDIS qui s'est dédoublé. Pour quelque raison qu'elle soit. A plus !